Yo les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. Bon, ça fait longtemps, ils ont sorti les frites McDo, les frites de légumes McDo, mais moi j'ai plus que les acheter maintenant. Du coup, on va les tester. J'espère qu'elles vont être bonnes, du coup. Bon, on les refroidit le temps que je rentre chez moi. Du coup, là on est dans un nouveau. On est dans la... Là, les amis, j'ai décidé de. Maintenant, on va faire des vidéos dans ma vraie chambre, parce que là, je pense que c'est mieux déjà. Comme ça, vous êtes dans mon intimité un petit peu. Et je pense que le décor derrière est plus joli que blanc tout court. Du coup, comme vous pouvez l'entendre, j'ai plus trop de voix. J'ai la gorge qui me fait mal. Du coup, j'ai plus trop de voix. Donc, je vais faire le maximum que je peux pour parler assez fort pour que vous m'entendiez bien. D'ailleurs, attendez, parce que là, voilà, c'est mieux. Du coup, on va les goûter. Ils ont sorti ça le 7 mars. Là, on est actuellement, on est les 15. Du coup, il y a des frites à la betterave, c'est ceux-là là. Normalement, ils doivent être sucrés parce que la betterave c'est sucré, à la carotte et du coup à la pomme de terre. N'hésite pas à t'abonner si tu kiffes ce genre de petites vidéos de dégustation de nouveaux produits et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je ressors une vidéo. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu kiffes les petites aussi vidéos dégustation. Du coup, les amis, on est parti. On va commencer par la carotte. À la carotte, c'est bizarre. Betterave. Donc, je vais prendre une carotte. Hop, ok. En vrai, c'est. La betterave, elle est bonne. Ah ouais. La betterave, elle est vraiment bonne. On sent le goût. Bon, ça va être une vidéo très courte, les amis. Ok, le goût de la betterave, on l'a beaucoup. Par contre, la carotte. La carotte, on l'a pas trop, hein. Ok. Betterave. On dirait. Par contre, les frites de betterave, on dirait des. Je sais pas si vous avez déjà vu des morceaux de viande sec, de bœuf sec. On dirait la même chose en termes de visuel. Après, la carotte, elle est vachement dure. La frite de carotte. En vrai, c'est bon, hein. Par contre, la betterave, c'est sucré salé en même temps, c'est chelou un petit peu, mais en vrai, ça passe, hein. C'est bon. Non, c'est bon. Par contre, elles sont toutes. C'est pas comme les pommes de terre, elles sont toutes molles. Je sais pas comment ils font frire ça, mais elles sont toutes molles. Ça change un peu de frites normales. Ça, je sais pas c'est à quoi. C'est pas de la carotte, ça. Je sais pas ça quoi, ça c'est carotte, mais l'autre je sais pas ce que c'est. Mon petit verdict. Alors, elles sont bonnes les frites, mais franchement, le goût de la betterave sucrée salée ça passe. La carotte, je la trouve un peu dure par rapport à la betterave est un peu molle. Mais ils mettent moins, déjà ils mettent pas trop de sel dans les frites, sur les frites plutôt. Et comme ça gâche pas le trop le goût du légume. Mais en vrai, ça passe les amis. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé ces frites de légumes à McDo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je dirais vos commentaires. Moi je suis un peu. J'en prendrai pas tous les jours quoi. Oula. Le micro il a bougé 2 secondes les amis. Moi j'en prendrai pas tous les jours, mais en vrai ça passe. Si quelqu'un aime pas trop les. En avoir des frites de pommes de terre, bon, remplacez ça par les potatoes. Les amis. Je pense pas que ça valait le coup. À la limite, tu mets en plus des potatoes, mais tu les enlèves pas quoi. Même moi, si j'en prenais pas souvent les potatoes, quand j'en prenais, c'était toujours mieux. Enfin, c'est toujours bon les potatoes, mais par rapport à ça, ça vaut pas du tout. Hein. Après là, ça se voit qu'il y a des petites ou des grosses carottes, parce qu'il y a pas des longues quoi. Mais bon, bref. Donc voilà les amis, petite vidéo de dégustation. Ben, elle est pas longue, comme t'avais que ça à manger. Du coup, j'espère que t'as kiffé cette vidéo petite dégustation. Ben, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, ça me fait hyper plaisir. N'hésite pas à t'abonner aussi, surtout à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo sur la chaîne. Ça me ferait hyper plaisir. Du coup, les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mimi, ciao!